Reparti. Donc on part de là, ça sert à rien au final. Je crois qu'on pouvait monter en haut pour voir Hancock. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour monter en haut le mec. Ah bah, t'es pas. Voilà. Non plus. Je sais pas. Une entrée sur le côté. Quand on sort, beaucoup d'Aitan et Commonwealth sur sol institué comme l'ennemi invisible, tapis dans l'ombre, capable de frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Ouais, c'est vrai que c'est un ennemi assez redoutable. Et il n'a que 3 de pire, donc c'est facilement repérable au final. Pour repérer un synthétique, il suffit de l'enlever une chaussure. Bon, c'est l'autre pied, il y en a 3. Ah bah, ça en a un. N'importe ça. Fait. Ok, alors. Ok, normal. Hey, vous aimez les histoires qui font. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit Sammy. Mais il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques. La bonne blague. Oh. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère? Ok. Hey, on est juste le comité de surveillance du quartier. On descend les espions de l'Institut partout où on les trouve. Cool. Ah, merde. Voilà. Sarcastique. Des malades armés jusqu'aux dents. Je me sens tout de suite en sécurité. C'est de l'humour? Regardez autour de vous, imbécile. Good Neighbor prend soin des siens. C'est comme ça que ça marche. Et l'Institut ferait bien de comprendre que les sosies synthétiques, on les chope à tous les coups ici. Et maintenant, si vous vous tiriez bien gentiment, hein? Non. Non. Reste là. Recule pour voir. Vous avez une bonne raison de m'emmerder. Faire. Oui. Je te pousse vite fait. Bonnard. La première règle de Good Neighbor, c'est on pose pas de questions. Oui. On s'en fout quoi de toi. Vous êtes à sec. Allez au troisième rail. Bonjour. Relax, mec. Oh, pitié. Rien vu, Piper, arrête un peu. En fait, au final, les gens disaient qu'il n'y avait plus de karma dans le jeu, mais en fait, le karma, j'ai l'impression qu'il est transmis via votre compagnon. Voilà, Piper n'a pas aimé, c'est le karma négatif. Je pense. Ça marche un... En fait, ça, ils ont changé un peu le système, ils ont mis ça dans le compagnon. Enfin, c'est armé ici. Vous avez déjà été à Diamond City? Oui. C'est tous des enfoirés. Non, non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais la pêche. Mec là-bas sur un ordi. Vous avez déjà entendu parler de University Point? Non. Ordi cassé, il y a du jet. Je peux prendre le jet? Non, je peux pas. Non, je file pas d'échantillon gratuit. Me faire foutre. Vous appelez ça une arme? Qu'est-ce que t'as? T'as une arme, toi? Moi, je prends le flingue de Kellogg et... Il est pas long feu avec moi. Mais puis on a pas aimé. C'est ça? Ah, c'est du jet. C'est pour Maman Murphy. Pense un peu à la famille. Oh là là. Elle radoé, par contre, c'est super important. Ils n'ont pas besoin, mais c'est des ghouls. Ils ont déjà irradié jusqu'au sang. Ah, là, je pense que c'est le balcon où il y avait Hancock. Je pense. On va voir. Hein. Je sais pas s'il a encore son balcon. Ah, les chargements. C'est bien beau d'installer le jeu sur la Play, mais ce serait bien que les chargements aillent plus vite quand même. Oui. Bien le balcon. Du coup, on re-rentre. Trop bien. C'est trop bien. Un problème. Gueule. Mais quoi? Hop, voilà. Vous avez déjà joué aux échecs? Parfois, il faut savoir sacrifier une pièce pour rester dans la partie. N'oubliez pas ça. Arrête à raison. On ne devient pas les maîtres de cette ville en jouant dans les règles. Oui, c'est cool. Ok, il y a plein de drogues là. Oh putain.
Bonjour. C'est dommage pour Finn. Il va nous manquer la prochaine fois que les super mutants viendront frapper à la porte. Tant pis. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour la nouvelle tête ? Travail. Je cherche du travail. Du travail, hein ? Je vais vous dire, j'ai besoin de quelqu'un pour une petite mission de reconnaissance. Les gens racontent des trucs pas nets sur un endroit qui s'appelle la Galerie de Pikman. C'est en plein territoire des pillards. Mais ils sont plutôt calmes en ce moment. Et ça, c'est pas normal du tout. Allez jeter un œil et dites-moi ce qui se passe. D'accord. Inspecter la galerie. Si je demande de l'argent, on va me faire chier sur le coup. Génial. Je compte sur vous pour fouiller partout, hein. Je vous paye pas juste pour jeter un œil. Ouais, ferme ta gueule. Mère Hancock ? Loin de moi l'idée de vous faire chier, mais vous deviez pas aller à la galerie de Pikman pour moi. Je vais demander un truc sur l'institut. Vous voulez quoi ? Vous avez parlé de l'institut, c'est ça ? Mon petit discours vous a plu ? Je le fais de temps en temps, au cas où ils nous écoutent. Je veux que ces amoureux des synthétiques sachent que Goodneighbor est hors limite. Personne ne se fera remplacer dans ma ville. Mais parlez-moi de vous, plutôt. Qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est quoi un synthétique ? Vous tombez de la dernière pluie acide ou quoi ? C'est quoi un synthétique ? Mais je le sais, ça. Elle est bonne, celle-là. Les synthétiques sont des gens comme vous et moi. Sauf qu'ils sont pas arrivés sur Terre par le miracle de la procréation. Ah non, ils ont été fabriqués par l'Institut. Les plus vieux sont des robots tout bêtes, mais les nouveaux modèles, le créateur lui-même saurait pas faire la différence avec les humains. C'est pour ça qu'il faut être super vigilant et bien observer les gens. Le moindre petit changement pourrait être un signe que quelqu'un a été remplacé. Vous avez besoin d'autre chose ? Ok. Parlez-moi de vous. Parlez-moi un peu de vous, Hancock. Ah, mon sujet de conversation préféré. Je suis arrivé dans cette ville, ça fait 10 ans. J'avais encore une belle peau de bébé à l'époque. Je me suis installé tranquillement, je commençais à me faire connaître en ville, mais des fois je pétais les plombs. J'étais jeune. Toutes les drogues que je pouvais trouver, je les prenais. Plus c'était expérimental, mieux c'était. C'est comme ça que j'ai pris un prototype de médoc radioactif. Il n'en restait plus qu'un seul et unique échantillon. Un seul et unique shoot. Bon Dieu, c'était un trip mémorable. Ça en valait largement la peine. Bon, ok, je dois vivre avec les effets secondaires. Mais je vais pas me plaindre. L'immortalité, je crache pas dessus. Ok. Vous êtes immortel ? Eh ben, pas vraiment. Les ghouls vieillissent très, très lentement. Ça doit avoir un rapport avec les radiations, j'imagine. Personne sait vraiment. C'est incroyable. Vous avez le goût du risque, Hancock. On n'a qu'une vie. Autant en profiter. Il vous fallait autre chose, sinon ? Non, c'est rien pour le moment. Ok, super. Ok, hop. Tout ça a été très intéressant. On va monter encore un peu plus haut. Voilà. Arrêtez-vous boire un verre à l'auberge de l'abri. Les anecdotes sont gratuites, mais la gnôle du patron vous coûtera cher. Demandez à Vadim Bobrov. Voilà Betty Hutton. Elle est... Eh ben, elle chante plutôt pas mal. Vous trouvez pas ? Ah, parfait. Elle va me faire chier, là, t'as côté. Bon, c'est bon. Une fois que tu me dis... N'a pas aimé, là, cul. Bon, et moi, j'ai pas aimé non plus. Ok, y'a rien. On y va. Y'a une porte, là. Je veux pas me faire mousser. Et je suis aussi bon avec un flingue que sous la couette. Si vous voyez ce que je veux dire. M'en fous de ta vie. Hop. Hey, ciao. Donc au final c'est une petite ville de ghouls, une petite ville sympathique, un peu moins grande si je ne m'abuse que Underworld. Underworld qui est la ville principale des ghouls dans Fallout 3. Si on ne compte pas la Tom Penny Tower, si on aide les ghouls à rentrer, pour ceux qui ne savent pas, dans la Tom Penny Tower, dans Fallout 3, les ghouls rentrent. Et les ghouls, elles nous ont manipulés, elles ont dit ouais on va être amis avec les humains, on va rentrer dedans et tout. Au final, quand vous revenez dans la Temple Tower, large.
tous les humains sont morts. Voilà. Là, je sauvegarde et je vais essayer de passer. Parce que on me dit pas du large, moi. Alors que je suis pas en bateau. C'est pas vos oignons. Tirez-vous. Ils sont forts, eux. Moi, je suis plus fort. Qu'à se servir. Tu saignes un peu quand même. Putain, le mec il avait tout sur lui quoi. Moi j'aime bien avoir des habits mais pas sales, tu vois. Des habits propres pour ma ville. Une braille sale. Costume braillé sale. Costume braillé sale, vous voyez, moi je veux un costume braillé propre. Gagner de course. Et les gars, il y a eu un meurtre dans la ruelle. Grosse surveillance de quartier. Hein. Hôtel Rexford. On va rentrer, on va voir. Hop. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est l'aventure tranquille. Hein. On se presse pas, on rush pas la mission principale pour finir le jeu vite, vite. Non, là, on prend notre temps, on apprécie le jeu. Fallout 4, c'est vraiment pour moi le jeu de l'année. Le meilleur jeu que j'attendais depuis très longtemps. Te tourner les pouces ou tu vas descendre pour bosser ? Mais je bosse. Il n'y a pas que la fabrication qui compte, Claire. C'est important d'accueillir les clients aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est important de goûter la marchandise aussi. Si tu consommais un peu moins, tu pourrais te concentrer un peu plus sur ton boulot. Tu rigoles. À quoi ça sert de fabriquer de la dope si on peut même pas en prendre un peu? Certes. C'est marrant les deux. Bien, une nouvelle tête. J'ai du jet, c'est du bon. Fais maison et tout. À prix sympa. Je travaille plutôt. Peut-être bien, ouais. Je crois que vous ferez l'affaire. Vous connaissez les artilleurs, non? Les mercenaires, super équipés. Eh ben, j'en ai entendu quelques-uns qui parlaient d'aller faire une razzia dans le vieux bâtiment d'Hallucigène. Je veux dire, rien que le nom, quoi. Il doit y avoir de la dope de classe intergalactique là-dedans. C'est sûr. Si vous me ramenez quelque chose d'intéressant, je vous donne 200 capsules. Les gens, c'est que je peux pas demander plus d'argent parce que Piper va me faire « Oh, j'aime pas ça okay, !» Donc je fais « Oui, tout court. » Et après, il y a marqué « Piper a aimé. » Le top du top. Du top. Voilà. Carte mise à jour, et dans pas longtemps, Piper, elle a même pas aimé en plus. On a des chances. C'est sûr. Enfin, une seule, pour être précise. Payable d'avance. Comme par hasard, il y a qu'une seule chance. Non. Je fais le ménage, moi, c'est tout. Ok, c'est cool. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je vole la plupart du temps. Et voilà quoi. Mon Piper. Personne ne me voit. Personne ne me voit, hein. Ça c'est bien. Ok, il y a un mec qui déménage au sous-sol. Il y a un mec qui est bienvenu, Ghoul. Une ghoul de Voltex, il faut, c'est le mec qui nous a donné l'abri. On va voir. Rufus, d'accord. C'est pas faux. Juste un truc. Dans les chambres d'amis. Ok, on va aller voir. Écoutez, je sais que la porte est toujours ouverte. Mais c'est comme... un genre de métaphore. Pigé ? Allez, dégagez. Non. Hé, hey, Marovski. Vous voulez une chambre ? Allez voir Claire, à l'accueil. Elle me lâchera peut-être un peu la grappe si elle est occupée. Non. C'est qui ? Le patron aime pas qu'on le dérange. Alors grouillez-vous. Salut. L'hôtel est plus vraiment ce qu'il était, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, ok? Un Piper? Qu'est-ce que tu... Oula! Les jambes étaient buggées. Merde, elles sont buggées en moitié. Regarde juste ce que t'as chez toi. Quoi? Vous êtes en manque? Allez voir mon associé, Fred Allen. On n'a plus autant de choix qu'avant, mais il arrive encore à faire de la bonne cam. Vous devriez pas rester là.
Moi, juste prendre les épingles à cheveux. Ouais, arrêtez. Et voilà, allez, allez, salut. Savoir ce que vous foutez dans mon bureau. Non, rien, j'ai rien fait. Au revoir. Je suis plutôt calme dans mon genre. Mais vous voyez Stan là. Il est bouffou de ça. Et il aime pas les gens qui traînent, mais je devrais pas. Ah, c'est gratuit. Alors. Ok, l'ascenseur, je crois qu'il est cassé. Monte. On va trouver la chambre d'amis. Quoi ? Non, c'est... Mais... Ah, j'en étais sûr. Vous êtes de Sanctuary Hills, trop fort, c'est les ça ? Oui. Ouais, je suis de Sanctuary. Quoi ? Vous ne vous souvenez pas de moi ? Bah, c'est moi si, je me souviens de toi. J'ai vendu votre place dans l'abri. Pas de bol. Moi, j'ai pas eu mon billet d'entrée. Mais vous... Waouh ! 200 ans et vous êtes toujours au top ! Comment c'est possible ? Ouais. Je le sens de mes ennemis. Ah, à force de tuer des gens, on finit par devenir immortel. C'est un peu comme une réincarnation inversée. Oh, elle est bonne, celle-là. Très bonne. Ça me rappelle votre robot, là. Après les bombes, je me suis réveillé. Et votre tas de ferraille était toujours là. Il taillait ses foutues haies comme si de rien n'était. Sarcastique. Ouais. J'avais dû régler ces paramètres d'optimisme aveugle sur complètement dingue. Vous savez, vous êtes la seule personne d'avant que j'ai rencontrée. Je... Oh, bon Dieu, je me suis senti tellement seul ici. Qui voudrait d'une vieille goule qui est bonne qu'à vendre des places dans des abris Voltec ? Ah, fais chier, j'aurais dû... Hey. Vous pourriez peut-être retourner à Sanctuary. Je viendrai vous rendre visite, promis. Vraiment ? Yes ! Vous le ferez ? Ok. Je vais y aller de ce pas. Vous me promettez que vous viendrez me voir, hein ? Je vous attendrai. T'inquiète, t'as toute la famille que t'attends, frère. C'est grâce à toi que j'ai survécu. Ok, je t'oublie pas. J'en étais sûr que c'était lui. Je suis trop intelligent, les amis. C'est tout. Vous pouvez le dire. Vous pouvez marquer un inventaire. Ken, t'es le plus intelligent, ouais. Marquez tout ça. Partir maintenant, hein ? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc là, y a rien à voler. Je sais pas. Vous allez venir me rendre visite. Oui, allez, va à Sanctuary. Oh putain. Et voici, on pourra équiper des potes. Bah voilà, tout est bien, hop. On a recruté notre recruteur. C'est vraiment coïncidence quoi. Oh, ça vous êtes qui vous ? Bonjour, vous venez d'arriver à Good Neighbor, non ? Ouais. Alors, vous en pensez quoi ? Pas mal. Pourquoi ? Non, je me sens chez moi. Je me sens déjà chez moi. C'est pas une ville pour les mauviettes. Mais c'est mieux que de rester planqué derrière un mur comme à Diamond City. Je m'appelle Rufus. C'est moi qui répare tout ce qui tombe en panne ici. Je retape des robots, je vends des pièces, ce genre de trucs. La plupart du temps, je suis ici ou au troisième rail à siroter la pisse de bramine que Charlie appelle de la bière. Vous cherchez des pièces détachées ? J'aurais peut-être une petite mission pour vous, si ça vous intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Je vais jeter un coup d'œil. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai. Alors... Armes, pour l'instant t'as que des armes de PD, hein, désolé. Des grosses armes de merde, malheureusement. Il y a celui-là qui est pas mal, silencieux, puissance, vraiment intéressant. Il est assez cher par contre. En tenue t'as quoi ? Pas grand chose, en soin. Non mais ça coûte trop cher les packs si j'en prends. Ah ça coûte trop cher. Je suis vraiment pauvre dans ce jeu, ça je prends par contre, ça vaut rien. Bric à brac. J'accepte. Et je me. Attends, je vais te. Salut Rufus. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà. Quoi consiste le boulot ? Je sais pas si vous avez déjà goûté la bière qui sert au troisième rail.
mais je suis sûr que Charlie la coupe aux résidus de fosse septique. J'ai trouvé cette holobande en retapant des trucs au Rexford. C'est le bon de livraison d'une machine à bière, je crois. Le problème, c'est qu'elle a jamais été livrée, à cause des bombes et tout ça. Ok. J'ai mené ma petite enquête et je pense qu'elle est peut-être encore intacte. C'est là que vous entrez en piste. D'accord. D'accord. J'accepte. Super. Alors, la machine est dans le sous-sol d'un vieux bar, le Shamrock. En sortant de la ville, allez à l'est jusqu'à Atlantic Avenue. Le bar a une grande enseigne verte. Vous pouvez pas le louper. Ok, donc là, il y aura des ennemis, sûrement. Je vais défoncer la gueule. Comme d'habitude. Voilà le sous-sol. Hop. Nails. Nails. Non, c'est pas ça du coup. Non. Si, peut-être. Ok, donc c'est le S qui est bon. Donc, books. 3. On prend pas le risque. Alors, flasque, un seul. Skiz, ça marche pas. Looms, ça marche pas. Lob, marche. 0, donc c'était pas le L. Père, non. Raps, peut-être. 2, ah putain. Alors, squad, speed, donc c'est soit le S, soit le D, donc daily, et c'était le S, c'est chier. Hop, Halls, Krauss, c'est bon. Oh, trop fort. Secret pour être un grand dealer, expérience, c'est pour ça que j'ai 12. La chimiste, musulman, scient, le convainc. Hop, oh putain, le jet, pourquoi on l'appelle comme ça? Wouhou, je vole, putain, je vole. Les mentats. Oh la vache, je me sens loquace, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si mon cerveau comprenait des trucs qu'il n'a jamais compris. Le buffoot, expérience numéro 1, briser une planche d'un coup de. Pfff, trop facile. Expérience numéro 2, briser 10 planches. Total, je suis invincible, je suis aussi fort qu'un super héros. Expérience numéro 3, briser des planches d'acier carrément. De la main gauche, faut que je me prépare des steam packs. Le psycho et du mal en un, personnage hein. Ouais, je merde, c'était comme si je pouvais pas faire autrement qu'une arrivée. J'ai mis à écraser les touches avec mon poing, écraser. Je devais peut-être m'allonger. Ok, donc c'est un peu tout ce qu'il a trouvé sur les drogues. Qu'on sait évidemment déjà. Mot de passe. Ah, j'y crois pas. Je crois que j'ai vu que je pouvais être débloqué. Il n'y a pas un truc là Il est marqué novice, non? Non. Moi je crois que c'était quelle cartouche moi que je devais avoir. 44, fait chier. Et salut. Took a walk out in the fence. Had to talk with a man about some can. Chargement de l'infini comme d'habitude. Salut. Ok, donc c'est une petite ville sympathique, hey, au final. Vous approchez pas trop près. Vous avez déjà été chez Killer Bikind? Ils ont des armes de malade. Hop. On va aller là-dedans. On commence à avoir pas mal d'épingles à cheveux.
J'adore quand il fait ça. Hey frère. Par déjà. Hop là, je te mets un poil. Merde, ça venait d'où ça? Non, il y a personne, t'inquiète. Attends, je prends autre chose. Tu résistes, hein? Sors de ton trou. On te fera pas de mal, juré. D'ailleurs, j'ai pas de vie. Lopette a dû se tirer. J'ai peur. Hey, vous n'avez qu'un mot à dire. Alors, je vais donner ça. Ça. Oh, il est pas mal celui-là, ouverture. Tenue. Ça. Merde, il y a un truc à moi. Quoi qu'il manque. Attends. Jambière. Brassard droit. Brassard à gauche. Jambière droite, il manque. Hop. Voilà. Parti. J'espère que ce morceau vous a plu. On m'a fait part de certains événements récents à Diamond City qui pourraient vous intéresser. Qu'est-ce que c'était ? Croire qu'il y avait rien finalement. J'ai entendu. Enfin, il paraît que Nick Valentine. Comment le fusil, il est pas mal hein. Les gradins ouest. Un type qui repose en paix. Vous avez fait du bon boulot. Bah ça one shot. Eh ben en fait, on dirait qu'il y avait quelque chose de drôle dans cette histoire. Enfin pas drôle, marrant. Plus quelque chose de drôle, c'est bizarre. Genre un criminel. Qu'est-ce que tu veux ? Ça suffira pas. Vraiment. Il fait vraiment peur. Rien. J'en sais pas plus pour l'instant. Voilà. Si jamais vous le voyez, lui ou... Et donc il y a plusieurs étages, donc le mec qui me parlait lui aussi. Vous devriez en parler à Nick. Vous regarde. J'espère que ton cercueil sera confortable. Vous avez vu l'heure? Bah oui. Oh t'inquiète. C'est déjà l'heure de... J'ai dû acheter, il est pas mal, franchement. C'est la chanson que je vais passer. Maintenant. Voilà. Donc ça. Allons-y. Hé, il y a quelque chose là. Où ça, t'es où? Bon débarras. Oh, les deux. Oh, une niche de chien. Éclatez la gueule et piétinez ton cadavre. Ok. Yeah. Je fouille parce que c'est vraiment les endroits. Il y a vraiment un bloc de choses en fait. Bah si. Je vais faire un trou de balle. D'ailleurs j'arrive. Tomber où le mec par terre sûrement. Ça sert à quoi? Ça
c'est un quoi, c'est rigolo. On en le trouve, on va voir. Ouais, comme il a le mec. On vous dépouillera en descendant. À mon avis, je suis pas venu là pour rien. Il manque quelque chose ici. Ah voilà, une cartouche. Cadre du bureau. Trois aux haricots. Où on va dire que c'est déjà bien. Et on se casse. N'est-ce pas qu'il n'y a pas toute la ville qui m'attaque? Ça, c'est un problème dans Fallout. Normalement, il n'y a pas de raison, parce que j'ai pas tué des habitants, j'ai tué des tueurs à gages. Non, c'est bon. Bien, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao !